Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 du Let's Play sur Monster Hunter World. Et donc nous nous retrouvons pour aller parler au botaniste pour essayer de botter le cul à ce T-Rex qui a fui à l'épisode 4. Ah ça, l'Anjanat ne plaisante pas, pense à bien te préparer, surtout, bon, entrons dans le vif du sujet. Nous avons un petit problème ici au conservatoire botanique et nous aurions besoin de ton aide pour le régler. Tu vois, nous essayons de développer des outils de survie pour être exact. Quelque chose que l'on voudrait fournir à tous nos chasseurs. Le hic, c'est qu'un Tobi Kadashi dans la forêt nous empêche de récupérer les matériaux dont nous avons besoin. Tu peux t'en occuper. Qu'est-ce que... Ok. Ok. Ouais, et dans la forêt nous empêche de récupérer les matériaux dont nous avons besoin. Tu peux t'en occuper. D'accord, qu'est-ce que c'est que cette merde? Parfait. Tiens, voilà pour toi. C'est le premier outil que nous avons réussi à terminer. D'autres outils t'attendent. Mais à condition que tu t'occupes de notre problème, merci et bonne chance. Ok. Nouvelle étape survie, Cap Caméléon. Ok. Les outils de survie peuvent être des vêtements ou des pièces d'équipement activant divers effets très utiles. Par exemple, la cape caméléon vous rendra temporairement invisible. Ok, c'est la cape d'Harry Potter, quoi. Pour activer les effets des outils de survie, il suffit de les équiper et d'utiliser de la même manière qu'un objet. Leur utilisation est limitée, mais un temps de recharge est nécessaire après chaque utilisation. D'accord. Pour connaître les effets de vos outils de survie, consultez les informations de vos équipements. Ok. Compris, oui. Allez. Notre prochaine mission est de chasser le Tobi Kadachi. On devrait Ok. pouvoir le trouver dans la forêt ancienne. C'est parti. Donc là, on retourne dans la forêt ancienne. Nouvelle quête. La cape d'invisibilité pour l'instant m'intéresse moyennement. Ok. Stone bar la route du progrès. Je ne serai jamais en mesure de finir cet outil de survie si je cherche de casse-croûte. Ok. Donc lequel est le mieux? Spawn là-bas ou là? Non, je pense qu'il est mieux de spawn au camp 11. On est parti. Hop là. La quête est en chargement. C'est bon. C'est parti. Allez, on va buter cette saloperie. En espérant que ce soit pas trop compliqué. J'ai regardé un petit peu pour voir si j'avais des améliorations d'armes et compagnie, mais j'en ai pas. Alors qu'est-ce que tu penses, Jussel Botany? Ça a l'air intéressant, non? Oui, effectivement. Pour pouvoir utiliser un outil de survie, tu dois t'en équiper via la barre d'objets. Les outils de survie s'utilisent comme les autres objets, mais leurs effets sont temporaires. Si l'outil que tu utilises ne fonctionne plus, pas de panique. Attends un peu et tu pourras le réutiliser. Ok, ça marche. Palico. J'ai sacrément appris aujourd'hui. J'espère que vous accompagnez lors de votre prochaine sortie. Non, je veux pas laisser mon palico. Alors, ma carte c'était là. Hop là. Alors, moi je cherche une espèce de grosse saloperie. Un Tobi Kadashi. Alors, où est cette merde? Il n'est pas indiqué sur la carte? Le Tobi Kadashi? Ça, c'est mon camp. Où est cet enfoiré? Piège alien. Non, il semble pas apparaître. Vite à guêpe. Et non, j'ai rien en mouvement ici. Je me demande bien où il est. On va se balader un petit peu en espérant tomber sur lui. Hop là. Des empreintes. Nouveau contrat disponible, ok. Des mousses aquatiques, très bien. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Chasser un Tobi Kadashi. Oh là! Ouah, mais ça va! Tu es paralysé. Oh! Patiente le temps que les effets s'estompent. Ouah, comment je me suis fait piéger comme un bleu! Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? En plus, ça s'enfouit dans le sol. Bon, bah, c'est bon, on a compris. Ça y est, un crapaud, il n'y a plus personne, les gars. Non, range-moi ça. Allez. Ok, ça. Oh putain, il est là, ce con. Bon. On sait que c'est pas pour maintenant. Mais faut. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Voilà. Allez. On va aller à la recherche de cette saloperie. Tobi Kadashi. On dirait un mauvais perso d'anime. Non, ça c'est le... Tac.
Donc là, je peux descendre par ici. Mais est-ce que c'est là que je vais trouver un Toby Kadashi? Ça m'étonnerait bien. Pente grimpante. Ok, là, c'est la Maxi Jungle par ici. Là, il y a les espèces de cochons machin là. On va pas se faire chier à le buter pour l'instant. On est à la recherche de notre saloperie. Je sais que cette forêt, c'est un vrai merdier. Et tant que j'aurais pas trouvé une empreinte, je trouverais pas cette saloperie. Vieilles empreintes, ok. Vieilles empreintes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça m'a tourné mon écran comme ça? N'apparaît toujours pas. Pour l'instant, j'ai que lui qui apparaît. C'est vraiment quand je les vois quoi qu'ils apparaissent du coup. Bon, on va faire le tour, hein. On va partir en exploration. C'est un peu l'objectif. Pas de Toby Kadashi par là. Qu'est-ce que... C'est notre fameux T-Rex, ça? Allez, on se casse. Il a pas voulu me tuer. Très bien. Après, ça m'étonnerait que je trouve l'autre dans cette direction-là. On va pas se fatiguer à essayer de l'avoir, de toute façon. C'est peine perdue. Putain, c'est vraiment beau par contre, hein. C'est vraiment immersif. On part ici, j'ai que dalle. Là, je remonte vers mon camp numéro 1, ce qui est pas spécialement encourageant. On va essayer de remonter par ici. Essayer d'aller trouver cette saloperie. Noix de feu, on va récupérer. Y a beaucoup de trucs que j'ai de façon trop nombreuse dans l'inventaire. Il faudrait que je gère ça un jour aussi. Pour l'instant, je peux pas améliorer mon matériel, hein, j'ai vérifié. J'aimerais garder cette épée parce que je la trouve bien stylée. Qu'est-ce que... Ouah, c'est quoi ces merdes? Allez, venez, je vous attends. Ouah. Ok. Pas très convaincant. Ouah, putain, mon palico est sur une petite bouée. Ça, c'est stylé, par contre. Hop, là, ils en ont pris plein la gueule. Là, je crois que je leur ai bien pété la gueule. Ouais, c'est bon, ils sont morts. Allez, on va dropper ça. Qu'est-ce qu'ils vont me donner, ces cons-là? Gageot. J'en ai jamais croisé de ça. Pot de gageot. Ça me servira bien à faire des trucs. Tac, de style amélioration d'armes. Ah bon, il fait pas bon de faire trempette par ici, quoi. Pas se mentir. Là, j'ai une avisiole qui m'indique une direction. Peut-être des empreintes. Dommage, j'ai raté. Je sais même pas si je peux les tuer, ces merdes. Sûrement avec la fronde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord. Il a morvé ici. D'accord. Il se passe des choses par ici. Ça, c'est mon Anjanath favori. Voilà qui m'aide toujours pas. Noix dynamite. Non, ça, c'est que les traces de l'Anjanath. Sais même pas à quoi ça ressemble, un Toby machin. Donc, ça facilite pas les recherches, on va pas se mentir. Tac. Bon alors. Est-ce que par ici j'étais déjà venu? C'est la bonne question, je suis où là? Non, par ici j'étais pas spécialement venu. Lui il a l'air de perdre de la vie, comment ça se fait? Noyau rouge. Pourquoi il y a une espèce de croix ici?
Attendez. Tac, pour mettre un truc, c'est quoi ces tabs? Non. Merde, je sais plus quelle touche c'est pour mettre un indicateur. Pas se prendre la tête. On va remonter par ici de toute façon. C'est par là-bas. Prendre à gauche ici. Essayer de remonter par là tranquillement parce qu'il y a une espèce de grosse croix. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Oula, ce minerai par contre a l'air rare. On va récupérer vite fait. Ah, oh, bah c'est du fer, non, même pas. Au final, décevant. C'est quoi cette grosse croix? C'est là que je dois aller? C'est une bonne question. On va prendre un peu de hauteur. D'accord, il est en train de gerber sur l'arbre, très bien. Ah, c'est le grand Jagras, ok. Donc voilà qui nous aide pas du tout. Ils sont en train de se battre tous les deux. Donc on a trouvé tous les monstres sauf celui que je veux. C'est ça? Non, ça c'est les espèces de saloperies herbivores. Non, là il y aura que dalle par ici. Bon bah je suis bien paumé, voilà. Ouais, qui est pas génial. Le grand Jagras est en train de se faire démonter. Ouah! Ouah, mais c'est la mort! En profiter de quoi? Je me casse, ouais. Il est en train de démolir le grand Jagras, ouais. Champignon bleu. Ouah, un champi bleu. Bon, de toute façon, j'ai plus de place, oui. On va remonter par là-haut. Tac. Chenille litchi. Déjà grasse, très bien. Des moustiques géants, très bien. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il m'agresse. Qui s'en fout, moi? Oh, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mais c'est énorme! Je peux lui niquer sa mère à ce truc? Effectivement, je peux lui niquer sa mère. Ça m'a dû me filer un poison, une saloperie du style. Toi, t'en as pris plein ta gueule. Allez, file-moi ça. De toute façon, quand je joue le Shumutaki, allez, on se casse d'ici. On connaît déjà l'endroit. Il y a le grand Jagras qui raboule. Parce qu'il s'est fait défoncer par l'autre saloperie. Bon, en attendant, j'ai toujours pas trouvé mon Tobi Kadashi, moi. C'est pas tout ça, mais. Non, mais descend, descend. Pas tout ça, mais j'ai pas trouvé mon Tobi Kadashi. Je fais le tour, mais je trouve pas. Allez, descends. Mais descends. Hop là. Vieilles empreintes. C'est toujours pas mon la saloperie. Ah, quoi que c'est peut-être ça. Hein. Vieilles empreintes. On va continuer par là. Est-ce qu'on va tomber sur lui? Faut des empreintes. Hop là. Les navicioles s'excitent. Ils ont monté par là-haut. Très bien. Maintenant, on va pas monter par en bas. Tac, les empreintes. Qu'est-ce que. Non. Oui. Et ouais, mais j'ai pas de place. Donc, ça va être vite réglé. Et là, je sais pas du tout par où aller. Ça, ces piafs là, c'est pas agressif. On va remonter par là. On se balade, on découvre par la même occasion. Comment je peux pas monter par ici? D'accord. Très bien. Donc là, il y a l'air d'avoir quelque chose au-dessus, mais c'est pas par ici qu'on monte, je pense.
Ok, allez, on va essayer de trouver d'autres empreintes encore. Insecte immortel, oui. Du coup, j'ai pas la place. Continue à monter. Ça va être une saloperie qui vit dans les arbres. Ok. Cinématique. Bon, grosse ambiance. Wouah! Toby Kadashi, rien de sympa ça. Ok, allez. Oula. Tac, allez, faut lui mettre. D'accord, ça va pas marcher. Voilà là! Il est mi-écureuil volant. Il est bien stylé. Je connais pas trop ses patterns d'attaque encore. Ah, dommage, j'ai raté mon attaque. Allez. Ça m'a esquivé le coup d'arme, du coup, j'ai eu du cul. Allez. Je mets des bons dégâts. Alors, est-ce que lui aussi va fuir ou pas? Parce que là, c'est son nid, du coup. Merde. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fout? Oh là là là, effectivement. Un fléau foot, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah d'accord, ça me... Du coup, je peux même pas utiliser de potion ni rien là. Ok. J'utilise une petite popote. Allez, prends-toi des dégâts. Et la Mystique qui fait un grave bon taf. Dommage, je te toucherai qu'une fois. Ok, il est pas content du tout. Merde. Ok, il est pas bien. Allez, une grosse attaque. 60 points de dégâts, c'est pas ouf. Allez. Allez, tire, tire, tire à la fronde. À la fronde, à la fronde. Putain, pourquoi il ne sort pas à la fronde? Putain. Ok. Effectivement, c'est la merde. Allez, mais bouge, mon grand. Tu crois que t'as le temps, là? Ok, je lui ai mis une petite. Une petite truc. Il est bien stylé par contre. Il est vraiment beau lui. Dans le dernier épisode, on avait battu la saloperie. Qu'est-ce qui se passe? Allez, mais je m'en fous de ça! Faut que je prenne une potion absolument. Allez, prends-moi une potion. Prends une potion, réveille-toi et prends une potion. Allez, tac, attaque. Bonne attaque ça. Ok. Putain, il me stun même avec ses cris, quoi. Oh non, il fuit! Oh putain, je le rattraperai jamais du coup. Non, non. Allez. Descends, mon grand. Il se barre. Il s'est barré par où? Hop là, allez. Tu m'échapperas pas, t'allais rejoindre d'autres saloperies, mais ça te sauvera pas la vie. Hop là, petite attaque roulée dans ton cul. Oh là! Je me suis fait poutrer la gueule. Hop là, c'est pas mal, c'est pas mal. On lui en met plein sa gueule. Je sais pas si tout seul c'est envisageable de le tuer, mais pour l'instant j'ai l'impression que j'en sors pas trop mal. Vas-y Misty, fais distraction, bien joué. Voilà. Il m'a défoncé sur mon attaque. Si je suis trop lent. Dans la queue. Ah, l'enfoiré. Allez. C'est bien stylé.
Le combat est bien épique. Une petite balade dans la forêt comme les autres. Son chara-design est vraiment trop stylé. Allez, fuis pas. Ah, dommage, je l'ai esquivé, bien joué. Ah là là, je t'ai perdu mon côté. Non, non, non. Allez, une petite roulade. On lui en met une dans la gueule. Allez, là, elle a pris cher. Putain, ça m'a fait une attaque roulée dans le vide, fait chier. Allez, continuez d'attaque. On a fait un bon enchaînement là. Chier, il fuit cet enfoiré. Allez, 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 allez. Tu vas pas t'en aller si loin que ça. Où tu vas? Allez, il rampe, il rampe, il rampe. Il est au bout de sa vie. Allez, range ça, toi. Envoyer des saloperies dans la queue. J'ai plus de saloperies là. Et je sais pas comment on fait pour les recharger. Allez. Putain, comment c'est pour changer les. Oh non, j'ai plus d'endurance. La loose! Allez, mais cours, mon gars. Il est presque mort là. Il va régénérer sa vie autrement. Putain, il s'est barré là-haut en plus. Moi, j'ai bien mettre 10 ans à monter. Allez, il est parti où? Il est remonté dans son nid. Ok. La victoire est clairement possible. Il est pas bien. Hop là, allez. Putain, dommage. J'ai voulu faire une attaque lourde, mais ça a pas fonctionné. Allez. Il bouge plus, je sais pas pourquoi. Ok, j'arrive à lui mettre une attaque doublée. Ça lui a fait masse de dégâts là. Hop là, allez. On fait un bon combo là. Je sais pas pourquoi il me calcule pas vraiment. Peut-être parce qu'il est fatigué. Mais allez, mais touche! Putain. Des fois, je comprends pas trop les. Pourquoi ça touche pas? Allez. Yes, on l'a eu. Oh, je suis content. Tu as réussi. Rentrons faire notre rapport au chef botaniste. Parfait. Belle victoire, les gars. Belle victoire, Misty. Beau combat. Allez, on récupère cette saloperie. On lui aura bien pété sa gueule. Par contre, je sais toujours pas comment on fait pour changer mes munitions, là. C'est un chiant, ça. Munitions fiole. Capsule aveuglante. Capsule de boue. Brochette BBQ. Vraiment une catégorie de saloperie absolument incroyable. Hein. Faudra vraiment que. Pour épisode 9, je regarderai un petit peu comment ça se passe pour les commandes. Là, on va attendre tranquillement de revenir. Capsule perforante, ok. Il était vraiment stylé ce monstre. Hein. Le Tobi Kadashi. Sacré bestiole. Allez. Ce fut un beau combat. On prend tout. Oui. Prendre tout. Oui. Et on rentre tranquillement à la maison. Et l'épisode prochain, on pourra sûrement poutrer cette espèce d'Ajanat là qui nous troll depuis quelques épisodes maintenant. On confirme. Merci, oh merci, je pourrais t'embrasser. Grâce à toi, tous les chasseurs vont pouvoir profiter de nos outils de survie. Au fait, j'ai planté une graine d'arbre millénaire par curiosité, et bien crois-le ou non, mais cette fois-ci, elle a germé. Cette plante sont vraiment uniques dans le sens où elles se développent grâce à l'énergie environnante et peut-être un peu d'engrais. Enfin, je t'épargne les détails, voilà où je veux en venir. Est-ce qu'il y a des objets que tu utilises très fréquemment?
Je pourrais peut-être profiter des propriétés de l'arbre et d'un peu d'engrais pour faire pousser ce dont tu as besoin. Ok. Chasseur de la cinquième, venez me voir. J'ai une quête urgente pour vous. Donc on va aller voir le chef d'équipe dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Je vais essayer un petit peu entre les deux épisodes là de me mettre de façon plus sérieuse surtout sur les commandes parce que elles ont l'air très complètes au final et du coup assez complexes. Donc bref, on se retrouve pour l'épisode 9 du Let's Play sur Monster Hunter très bientôt. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de l'aventure et à laisser un commentaire afin d'améliorer la qualité des prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine.